Bonjour chers amis, nous arrivons au terme d'une studieuse et très animée semaine pour le MHSC avec ce match de Coupe de la Ligue remporté ce mercredi soir donc face à l'AS Nancy-Lorraine. Match laborieux mais victoire tout de même et de suite bien sûr tout l'effectif de Michel Derzakarian s'est tourné autour de la prochaine échéance samedi soir. Là ce sera le championnat, ce sera aussi très important sinon plus au football club de Metz au stade Saint-Symphorien. Justement le stade Saint-Symphorien, s'il est bien un joueur actuellement de l'effectif de Derzakarian qui le connaît très bien, c'est Florent Mollet. Tellement précieux Florent Mollet lors du match de coupe de la Ligue contre Nancy, auteur du premier but et auteur du premier but sur un magnifique coup franc. C'est la spécialité de Florent, on y comptera beaucoup samedi soir en Lorraine. Écoutez-le. Non, voilà, j'ai pris mes responsabilités. Voilà, ça m'a souri sur le match d'hier. J'espère que ça me sourira sur d'autres matchs. Voilà, c'est quelque chose que je peux travailler à l'entraînement, donc je dois aussi en match en mettre. Et bon voilà, hier ça m'a souri, tant mieux pour moi, tant mieux pour le collectif. On ne voit pas souvent les travailler devant le but, justement t'en parles, mais c'est ce que c'est durant les huis clos ou juste la veille de match que tu les travailles ces coups de pied arrêtés? Non, ça depuis un certain temps, c'est vrai que bon je les travaille un petit peu moins, mais c'est vrai que vu que c'est une de mes spécialités, il faudrait que je les bosse régulièrement, on va dire. Donc voilà, après c'est quelque chose qui peut débloquer une situation, débloquer un match. Donc voilà, c'est quelque chose d'important aussi. Donc à moi de les travailler à l'entraînement et puis de retransmettre ce que je fais à l'entraînement, de retransmettre en match. C'est quelque chose que tu as depuis longtemps, depuis tout petit, ce petit coup de patte là par-dessus le mur, ou ça c'est vraiment venu au fil de tes saisons de footballeur? C'est venu petit à petit. Je pense que voilà, j'ai pas souvenir de quand est-ce que ça a été une de mes spécialités, mais je pense que depuis l'âge de 14-15 ans, c'est quelque chose que j'ai en moi et que régulièrement j'essaie de travailler au quotidien pour en faire une force. Donc voilà, depuis l'âge de 14-15 ans, je pense que j'ai cette qualité-là. Donc voilà, tant mieux pour moi et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Tout d'abord, ça fait plaisir de revenir à Saint-Symphorien. Voilà, j'y ai vécu 2 ans, donc c'est 2 ans de ma vie, donc faut pas cracher dessus. Voilà, il y a eu des bons et des mauvais moments. J'ai eu des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, je garde plutôt une bonne image du club. Et voilà, j'ai vécu des bons moments aussi, même si ça a été dur sur la fin, puisqu'on a été relégué en Ligue 2. Mais là, il y a eu une bonne issue avec le club et Montpellier, donc on a pu se faire ce transfert qui a été bien pour moi. Donc voilà, ça fait plaisir de revenir. J'ai encore quelques amis là-bas en tant que joueur. L'équipe a beaucoup changé, mais j'ai encore quelques amis avec qui j'ai évolué durant ces 2 saisons. Donc ça me fait plaisir de revenir. Et voilà, il n'y aura pas de. Il n'y aura pas plus que ça. Voilà, c'est un match de foot, c'est un match de Ligue 1 et j'espère qu'on le remportera. On dit souvent que les joueurs brillent souvent face à leur ancien club. Un petit but, un nouveau petit coup franc à Saint-Symphorien, ce serait pas mal. J'espère. Après, j'espère que j'aurai la chance de marquer contre Metz, même si c'est mon ancien club. Je ne me priverai pas, mais voilà, dans le respect. Et puis, j'espère qu'on ira surtout remporter ce match, parce qu'on aimerait bien voilà, faire notre première victoire à l'extérieur, ce qui serait important au-delà de mon cas personnel, ce serait important pour l'ensemble du groupe. Et ça nous redonnerait, avant le match de Toulouse, ça nous donnerait un peu de peps et ça nous permettrait de voir encore plus haut classement. Alors bien entendu, il faudra peut-être cette fois enfin résoudre la problématique majeure du MHSC depuis le début de la saison, calquer ses performances à l'extérieur sur celles à domicile globalement. Bien entendu, une fois de plus, c'est avec beaucoup d'espoir et beaucoup de volonté que les joueurs de Michel Derzakarian tenteront d'accrocher enfin leur premier succès face au 19e de la Ligue 1. Il faut à cet instant quand même le rappeler. Et comme en a parlé d'ailleurs en conférence de presse l'arrière latéral Arnaud Souquet, bien entendu, c'est une problématique à résoudre pour rester au moins dans la première moitié du championnat, essayer de faire l'effort supplémentaire nécessaire pour obtenir enfin un bon résultat à l'extérieur. Arnaud Souquet.
Bah, si on avait l'explication, je pense qu'on aurait réussi à le corriger depuis un petit moment. Non, après, comme je l'ai dit, je pense que bah, on le voit nous quand on joue à domicile, qu'on joue Lyon, qu'on joue Monaco, on arrive à faire douter ces équipes-là, ou Angers aussi. Donc c'est qu'il y a une part importante mentale et psychologique qui joue. Après, il faut qu'on arrive à passer au-dessus et se dire que si on veut, comme je l'ai dit, avoir des ambitions et rester là où on est, bah, il faut en faire peut-être un peu plus, peut-être se faire encore plus mal. Plus mal défensivement, offensivement. Après, je pense que ça va jouer sur un petit changement psychologique. Il suffit qu'on mette un but, que derrière on prenne confiance. Bah, ça va être, c'est peut-être ça qui va faire changer les choses. En tout cas, il faut pas qu'on se dise à chaque fois qu'on va à l'extérieur, oh, attention, on va à l'extérieur. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Aujourd'hui, ouais, voilà, faut pas qu'on se dise, ah, putain, une semaine sur deux, c'est la panique, on va à l'extérieur. On n'en est pas du tout à ce niveau-là. Je pense que l'équipe, elle est consciente de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut améliorer. Il y a eu des matchs où, bon, bah voilà, je prends l'exemple de Marseille où on n'a pas été très bon dans le jeu et techniquement on n'a pas été bon, mais voilà, au moins dans l'état d'esprit, on était tous là, on a défendu, on a ramené un point. Alors, ça reste qu'un point, mais au moins on a pris un point. Après, il y a des matchs comme à Reims ou Nantes où on fait pas des matchs très très aboutis, mais bon, à Nantes on doit faire match nul, à Reims on prend un but sur coup de pied arrêté, donc c'est des petits détails qu'on peut éviter. Après, voilà, il faut. Peut-être se dire que voilà, il faut en faire vraiment plus et se dire ben voilà, ça va passer. En tout cas, il faut pas lâcher, il faut continuer à bosser et se dire qu'on est capable de faire des bonnes choses aussi à l'extérieur et ça va venir. Mais on n'en est pas au point de se dire oh là, ça y est, on va à l'extérieur, c'est la panique. Alors ça, ce sont pour les garçons, ce match à Metz samedi et ce même jour, bien entendu, il y aura une autre affiche très importante pour le club avec la venue de l'Olympique Lyonnais face aux féminines, à la section féminine du Montpellier Hérault de Frédéric Mendy. C'est un match parmi les matchs phares de la saison pour notre équipe féminine, actuellement troisième du championnat, et qui colle juste dans la roue des Lyonnaises. Donc, match très très important, il l'est tous les ans. Mais celui-là va permettre assurément aux Montpelliéraines de monter un peu plus dans la hiérarchie et qui sait peut-être la bousculer. Qui de mieux pour nous en parler que l'internationale Valérie Gauvin? Lyonnais, c'est un gros morceau, hein? Oui, un gros morceau. On sait de quoi elles sont capables. Ça fait 5 ans qu'on les joue et ça restera voilà, une grosse équipe. Mais c'est une équipe comme une autre et c'est à nous, comme je l'ai dit, d'être concentrés sur le match, de montrer voilà, on est chez nous, donc on va tout donner. On va avoir l'objectif aussi depuis le début de saison, c'est de ne pas prendre de but à domicile. Donc déjà, c'est un premier objectif. Donc je pense que si on fait ça, c'est déjà vraiment entre guillemets, un chemin de fait. En tout cas, voilà, on va tout donner et... pour rien regretter. Ouais, c'est, on voilà, vous venez d'écouter l'interview de Valérie Gauvin, dont vous pourrez écouter justement l'intégralité de l'entretien ce vendredi sur le site officiel du MHSC. Les rendez-vous de ce samedi pour nos deux équipes phares, les Montpelliérains à Metz, les Montpelliéraines contre l'Olympique Lyonnais. Bonne semaine à tous et bon week-end.